l'enfant et le miroir. Un enfant, élevé dans un pauvre village, revint chez ses parents et fut surpris d'y voir un miroir. D'abord, il aima son image. Et puis, par un travers bien digne d'un enfant, et même d'un être plus grand, il veut outrager ce qu'il aime. Lui fait une grimace et le miroir la rend. Alors, son dépit est extrême. Il lui montre un point menaçant. Il se voit menacé de même. Notre marmot fâché s'en vient en frémissant battre cette image insolente. Il se fait mal aux mains. Sa colère en augmente. Et, furieux, au désespoir, le voilà devant ce miroir, criant, pleurant, frappant la glace. Sa mère, qui survient, le console, l'embrasse, tarit ses pleurs et doucement lui dit: « N'as-tu pas commencé par faire la grimace à ce méchant enfant qui cause ton dépit ?»« Oui. »« Regarde à présent. Tu souris ? Il sourit. Tu tends vers lui les bras. Il te les tend de même. Tu n'es plus en colère. Il ne se fâche plus. De la société, tu vois ici l'emblème. Le bien, le mal nous sont rendus. »